On décolle. Ce Cordova est en train de sacrément user mon vaisseau. Il a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait ? On a visité de nombreuses planètes. Des tombeaux et des temples liés aux Zephos et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Il a toujours été seul, même quand j'étais avec lui. Il n'y avait que son travail et l'avenir qui lui importait vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Ça va fonctionner ? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Hé, hey, oh, est-ce que vous avez faim ? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange ? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Hé, hey, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste ? De quoi tu parles ? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger ? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Non, changement de plan, on est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais ? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Par ici, BD. Un truc étrange. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. C'est parti, BD! Thank you.
de ce mur. Ouais, allons voir. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force ? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis ? Vous pensez que l'Empire nous trouvera ? Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux.
J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Seren t'a donc rien appris ? Attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller.
C'est fermé.
Salut, mon pote. Tu peux m'aider ? Au travail. Trouver quelque chose, BD ? BD, la porte. Allez, va jeter un œil. Ok, BD, qu'est-ce que c'est ?
Salut, BD. Allez, BD. J'ai jamais douté de toi. Sauve BD. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Plus fort, BD. Vas-y, entre. Qu'est-ce que c'est, BD? Ok, BD. Qu'est-ce que c'est? BD, la porte. Merci, BD. Les outils de Cordova. Il espérait qu'on suive sa trace, mais il a laissé BD1 jouer les guides.
poignet était à Cordova. C'est bizarre de dire ça d'un inconnu, mais c'est assez rassurant. Oui, c'est vrai. C'est un lieu spécial. Je vais emporter sa poignée, je pense.